Réveillons-nous. Moi, je suis un grand rêveur. Je rêvais de trouver une tribu cachée, qu'en fait on aurait, que les Blancs n'auraient pas découvert, puis qu'en fait il y aurait des Amérindiens ici, cachés dans la forêt. J'y cherchais. Ce qui m'a amené à poser la question, mais pourquoi on n'a pas d'Autochtones chez nous? Comment ça se fait qu'on ouvre la télé, la radio, tout le monde de l'ethnographie, National Geographic, tout ça, n'arrête pas de parler des peuples premiers partout sur Terre, de témoigner en fait de cette richesse culturelle. Mais nous, on n'en a pas. Ils sont où, nos Indiens? Ils sont où, nos peuples racines? Et quand je demandais, les gens ne savaient pas répondre. Donc moi, j'ai passé beaucoup de temps à rêver à ça, à rêver d'une nature qui aurait encore ses habitants sauvages. Hop. Mon lien au sauvage, au monde sauvage, je le vis au quotidien. Et si on voudrait volontiers associer sauvage et nature à ce qu'on a, une nature, quoi, une forêt, une prairie, un machin, pour moi, la nature, c'est tout, en fait. Il n'y a rien qui est sorti de la nature. Donc, cette question m'embête parce que, en fait, en pleine ville, c'est la nature aussi pour moi. Mais justement, en fait, je cherche à cultiver ou à garder mon œil sauvage sur tout. Ce qui fait que je peux me balader en pleine ville et voir peut-être quelque chose de différent, entre guillemets. Enfin, je prétends pas savoir comment les gens le voient. Mais en tout cas, moi, ce que je vois dans une ville, c'est justement tous les surgissements non contrôlés. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Et ça, je le vis tout le temps. Donc, c'est un quotidien pour moi. Mais c'est sûr que je préfère respirer de l'air en forêt, quand même, qu'en pleine ville. Bien que j'aime bien faire des excursions en ville. Je me suis toujours senti appartenu au territoire ici. Mais j'avais besoin d'expérimenter à quoi ressemblerait une vie sauvage dans des étendues où le sauvage, c'est la norme et non pas l'exception. Ce qui m'a amené à aller chercher au Yukon, à côté de l'Alaska, des territoires qui ressembleraient à nos préalpes du Mésolithique, qui est la dernière période avant la sédentarisation des humains, ici en Suisse. Et j'y suis resté en grande partie. Donc aujourd'hui encore, je vis principalement là-bas, j'ai une activité de trappeur, je vis au fond des bois. Mais ce n'est pas une fin en soi. Mais pour moi, me replonger dans un monde sauvage, dans une forêt, ou jusqu'au Yukon, hein, où c'est très sauvage. Pour moi, avant tout, c'est une histoire d'humilité, c'est retrouver une place humble dans une histoire dont on fait partie, mais dont on a oublié les mots, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le monde sauvage, la vie sur Terre, est réglée. Il y a des principes du vivant, c'est pas le chaos, c'est organisé. Il y a de l'entraîne, mais il y a aussi de la compétition. Enfin, il y a toute une cohabitation. On pourrait dire que le monde vivant est une grande coloc. Et j'ai l'impression que nous, hommes modernes, on a largement oublié, en fait, que dans une coloc, il y a des règles. Et on croit qu'on peut en faire comme on veut, mais en fait, non, il y a des règles. Donc pour moi, c'est ça que je retrouve avant tout quand je suis dans la forêt. L'histoire de la connexion à la nature, c'est une vraie question de fond. Je pense que je sais me connecter à la nature, mais justement, le mot nature, à chaque fois, me barre la route. Me connecter à l'essence du vivant, je réinterprète avec mes mots, ça me permet de mieux répondre. Je me sens, ou en tout cas, je cherche à être connecté à ça, avant la loi des hommes modernes même. C'est ce qui me met parfois en conflit avec notre société. Mais pour moi, c'est important. Alors, se connecter au monde sauvage, c'est préconiser de le faire en ville, encore plus que dans la nature. C'est dans la ville qu'il y a besoin de reconnexion, encore plus. Et en fait, le monde sauvage, il est partout. Mais c'est un leurre. Nous, on voit du béton, on voit des trucs. Comme on pense que l'humain est sorti du monde de la nature, si on veut bien, eh ben, on a l'impression que ce qu'on fait est artificiel. Je ne le vois pas comme ça. Un moineau se pose pas la question quand il pique une frite à quelqu'un qui mange devant un McDo. Il se demande pas s'il est moins naturel en piquant la frite. Il est pour moi une expression sauvage au milieu de la ville. Les plantes qui poussent entre les pavés, la même chose. En fait, tout surgissement, et Dieu sait s'il y en a en ville, autant qu'en forêt quasi, sont des expressions du vivant, multiples. Et moi, j'aime me connecter à ça. Mais donc, je pense qu'en fait, c'est d'ailleurs un peu le comment on va dire, c'est ce que je fais dans la vie. Je ne suis pas prosélyte, mais si on devait me demander qu'est-ce que je transmets, je dirais que je transmets avant tout ça.
L'idée qu'en fait, c'est en ville qu'il faut réensauvager. Encore plus, il faut réensauvager tout, notre pensée avant tout, mais c'est important de le faire aussi en ville. Le monde sauvage ne me fait absolument pas peur. Justement, je pense qu'en fait, c'est... Alors, il y a différentes peurs. Ça ne me fait pas peur dans le sens fondamental. Ce n'est pas une peur fondamentale. C'est génial qu'on ait... en fait, qu'il y ait des surgissements et des choses qu'on ne contrôle pas. C'est là où se révèle le meilleur de nous. Donc, je dirais que j'ai une peur saine, voilà. Je n'ai pas peur dans le sens... pour moi, ce n'est pas synonyme... Ce n'est pas néfaste, en fait, ce qui nous arrive hors de notre contrôle. D'avoir peur pour sa vie, c'est bien, c'est souhaitable et ça fait du bien, en fait. C'est pratique pour nos cerveaux rationnels de compartimenter les choses. Donc, dans ce cas-là, vouloir opposer nature et culture, ou en tout cas les disloquer, les observer séparément, je comprends le raisonnement. Par contre, je pense que c'est une séparation artificielle. Encore une fois, pour moi, tout est nature. Juste pour dire, en fait, nature, ça vient de natura, ce qui naît. Mais pour moi, c'est limitant. Je préfère les Grecs anciens qui utilisaient phusis pour nommer la nature. Phusis qui parle de l'ensemble, de toute l'expression, visible et invisible. Et ça m'embête qu'on n'ait pas ce mot, en fait, en français. Mais donc, oui, la culture, ça émane de la nature. Parce qu'en fait, nous sommes, nous, humains, avec toute notre intelligence et toutes nos cultures, l'émanation, le résultat d'une sélection naturelle, de ce foisonnement de vie sur Terre. On est une expression parmi d'autres. Ce qui m'embête, c'est quand on pense qu'on ne l'est pas. Mais à mon avis, tout nous montre qu'on fait partie intégrante de tout ça. L'émerveillement, pour moi, c'est se connecter à ce qui nous dépasse et en être heureux. Être heureux de ne pas comprendre, être heureux de savoir en soi que tout n'est pas accessible à notre raison et à notre compréhension. Je crois que c'est ça pour moi. Je crois que ce qui m'émeut dans la nature, ce sont les égards que chaque membre de la communauté a l'un envers l'autre. C'est-à-dire quand on regarde des arbres, ils ont des égards les uns envers les autres. Ils ont conscience de ceux qui les entourent. C'est ça qui m'émerveille.